C'est le calme plat sur la rivière Moira, celle qui relie le lac du même nom au lac Ontario, à Belleville. L'an dernier, elle a débordé. Plus de 500 résidences avaient subi des dommages. La neige a commencé à fondre, mais l'agence de conservation ne s'attend pas à ce qu'il y ait d'inondations cette année. There should be minimal risk of major flooding. Selon elle, si les conditions météorologiques se maintiennent, les risques sont minimes. La différence, c'est la neige. This year, we had a different kind of snow. It was lighter, it was fluffier, it contained less water. Elle contient moins d'eau, ce qui veut dire que le niveau de la rivière ne devrait pas monter autant. Don Trasher est optimiste. I don't think so. I've been here 25 years and I've only seen it twice. Il constate que la neige fond plus lentement. Sheets of ice would be going down past the house. Il ne voit pas non plus de gros morceaux de glace passer devant sa maison, comme c'était le cas l'an dernier. Dans la communauté de Tweed, au nord de Belleville, la mairesse fait le même constat, mais elle ne veut pas parler trop vite. Definitely crossing our fingers for no flooding this year. Sa municipalité n'a toujours pas reçu les sommes promises par la province pour aider les résidents à réparer leurs maisons et chalets. Le programme fait l'objet d'une refonte. Ce qui est nécessaire, à son avis, la municipalité met déjà des sacs de sable à la disposition des résidents au cas où. L'agence de conservation se fait rassurante, mais ses spécialistes suivent la situation de près, parce que si la neige fond rapidement, ou encore s'il y a d'importantes précipitations, il pourrait y avoir des inondations. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Belleville.